Alors, Foncia est en grand bouleversement, bouleversement positif, parce que nous sommes en train de. On continue un gros programme de transformation d'entreprise, une forme de plan Marshall finalement de l'entreprise qui joue sur des sujets RH, organisationnels, outils, processus, le tout pour augmenter à court terme la performance, alors performance économique, performance commerciale, performance client. Et donc, il est absolument indispensable dans ce contexte qu'on puisse suivre, mesurer cette performance. De façon globale ou de façon plus ciblée, plus pointue. D'autant plus que le groupe s'est agrandi, s'est voire un peu complexifié. Donc il y a à la fois des métiers traditionnels qui existent depuis le démarrage de Foncia, la naissance de Foncia il y a 40 ans, mais aussi l'apport de structures, de filiales qui nous ont racheté des start-up, et puis également l'apport de deals que l'on fait avec des sociétés externes, notamment aussi des start-up. Donc il est essentiel qu'on ait des outils qui permettent de piloter cette performance, de la mesurer, parce que tout ce qui n'est pas suivi ne peut pas progresser. Or, ce qu'on nous demande, en tout cas nos actionnaires, nous demandent très fortement et très rapidement d'augmenter très significativement la performance au sens large.